bonjour à toutes et à tous. L'objet de la vidéo, c'est un Canon X07. Alors, c'est un ordinateur que j'aime bien parce que je l'ai eu. En fait, c'est peut-être le début de ma collection. Je l'ai eu il y a une trentaine d'années quand il est sorti, quoi. C'est un modèle qui date de 1983, comme on peut le voir. Voilà. C'est pas d'hier. Il fonctionne parfaitement bien, hein, comme on peut le voir là. Voilà. Voilà. Barre d'espace, les LED, les trucs. Il est livré avec quoi? Alors, il est livré avec son alimentation. Il a une alimentation originale Canon que j'ai testée, qui fonctionne tout à fait bien, qui se branche ici. Voilà. L'alimentation est en boîte. Ça, c'est la boîte de la ligne. Voilà. Il y a le petit cache. Voilà, dans ce sens-là, c'est mieux. Pour avoir les caractères spéciaux sur le clavier. Hop, voilà, pas mal du tout. Ouais, je vais peut-être l'arrêter parce qu'il fait du bruit. Voilà, merci. Il est. Avec une seule main, c'est jamais très pratique. Il est très propre. Là, j'avais mis des piles. Je peux les enlever. Ça, vous verrez qu'effectivement, c'est très propre au niveau. Du compartiment, les piles n'étaient pas dedans donc ça n'a pas coulé. Vous avez bien entendu la trappe, on peut remettre dessus. Voilà, il est très propre quel que soit l'angle de vue qu'on prenne. Voilà. Voilà, il est vendu donc. Hop. Il est vendu sans les piles. Les piles, c'est les piles rechargeables de chez Amazon que je garde. Il est vendu avec la carte de référence basique pour les raccourcis et tout ce qu'il faut. Avec le guide de l'utilisateur, qui est en très bon état aussi. On dirait que c'est neuf, hein. Avec le manuel de référence basique et avec de la programmation pour débutants. Parlez-vous basique. Vous avez aussi ça qui permet de le maintenir en bon état. Donc normalement, je vais le mettre dedans. Si j'y arrive, je vais le mettre dedans. C'est les aléas du direct avec une seule main, c'est pas toujours pratique. Voilà, il est comme ça. Voilà ce que vous allez recevoir. Ah, il me manque juste l'emballage du dessus. Où est-ce que je l'ai mis? Il y a évidemment l'emballage du dessus que je vais chercher pour pouvoir fermer. Et comme ça, je vais juste faire une photo à ce moment-là. Comme ça, vous le verrez aussi, l'emballage du dessus est en bon état. Voilà, je vous souhaite de bonnes enchères pour ce Canon X07. Merci à tous.